y a un moment même bateau bas soutenir Kagame. Il y a une contradiction entre eux. Certains ont jugé bon d'abandonner Kagame parce qu'ils ont compris que Tshisekedi la monicie noir sur blanc que Kagame, derrière Kagame il y avait de grandes puissances qui soutenaient Kagame la basale besoin pendant plus de deux décennies dans le cannabis. C'est ça un politique. Or sur le terrain maintenant, l'armée rwandaise et ses complices de M23 sont malmenés par nos FARDC. Moi je vous donne vos informations. Nos FARDC sont déterminés. Bah la morale moko au zénith, je vous informe. Bah il dit balobi toujours zilakaka modor de Kinshasa pour traverser la frontière vers la vers le Rwanda. Mais la confusion parce que moi n'a dit Kagame n'a dit nakata silence. Kagame ne parlait pas beaucoup. Mais a sali trois sorties médiatiques, mais pas ça deux semaines. Cela sous-entend que quelque part Kagame est touché. Voilà pourquoi il a dit ça, que Tshisekedi c'est un fin politicien. Il avait compris que pour mettre fin à la barbarie, oh, il y a Mambo Est et Oyo, il fallait avoir deux options. Option diplomatique, option à guerre. Sur le terrain, il y a toujours au moment qu'il avait renforcé ma position à faire des Sénabiso. Il avait mis les moyens, la logistique conséquente pour nous faire des pour mettre hors d'état de nuire les envahisseurs de notre pays. De l'autre côté aussi, il a montré à la face du monde, à travers Bassi, Zouane et Luanda, que réellement c'est Kagame qui soutient les M23. Réellement c'est Kagame qui a agressé notre pays. Voilà pourquoi Nabaki, tu sais qu'il est vraiment c'est un fait politicien. Nous avons eu la chance qu'on soit maintenant cette fois-ci un politicien qui a une vision pour le pays. Pour nous les adversaires, pour se comprendre que non, ils allaient faire un règne à Kagame. Tu comprends? Tout ça, c'est grâce à la politique de Félix Tshisekedi par rapport à Yamakamouya Estewana. Et que mon entre Bango, tout ça, c'est grâce à la diplomatie chef de l'État. On comprend? Pas comme il concentre tout et concentre qui c'est entre Bango, à qui c'est entre Bango. Donc il y a l'indigno sur Balingarabi soit à travers magazine la biseau Yokabas toujours les sous qui bossent dans la bino pour la ressource la ma Italie ma mambo cannabis vous allez vraiment déçuter journal et l'autre ok moi l'ambo car tout côté maman la maman comme tu nous colles les situation ils ont le candé ni na na Ghana bon jusqu'alors Boudagan est toujours occupé par le rebelle M23 là bas militaire rwandais mais ils ont déjà encerclé par nos militaires sauf que ces gens ont compris que bientôt la Baliba attaqué Bounagana par nos FARDC a vu maintenant la population comme bouclier là-bas. Tu vois, et on monte le réseau ça là qui FARDC a attaqué Bounagana parce qu'il a vu population comme bouclier. Si le FARDC a attaqué population civile, beaucoup faiblir. Voilà, on y a un moment sur le niveau il y a opération il y a ni niwa na bazo étudier comment faire pour attaquer pour neutraliser la rebelle wana ou jusqu'alors bazo quitter Bounagana. Mais tout le monde coule à partir la bureau comme ça, c'est qu'on a le bureau, ça a des troubles. C'est ça parce que au moins déjà population avait compris parce que beaucoup population mine d'abord il y a pour quitter Bounagana pour bâtir un terrain libre na faire DC à attaquer bah militaire wana ya M23 na bah militaire rwandais. À la comprenant ces gens-là, la population, on va dire va sabotage Kuna. Mais moi, je pense déjà, selon les informations que tu as déjà, beaucoup de militaires rwandais, on va dire qu'on accompagne les M23, on va se retirer ma position au Bazalagi na yango. On comprend. Parce que je vous informe qu'il y a des pressions diplomatiques si, à un moment où ils ont ça, que beaucoup de militaires rwandais vont dire qu'on se retirer derrière M23. Donc, d'ici tout comme je crois, le mois prochain, on va les militaires rwandais, nous, on va se retirer dans la position où on est accompagné le M23. D'ailleurs, sur le terrain, il y a, selon une information, tu as un peu de temps. Ce que je dis, c'est que les rebelles sont en ils ont mis les Rwandais. Au moins, il y a un colonel ou déserteur qui a défectué la carte de FARDC Makanika. Déjà, il y a adjoint à El Shabab, parce que la contradiction. Parce que El Shabab a dit c'est clair que non, je ne vois pas pourquoi je vais combattre la RDC. Alors, déjà, je pense que déjà entre Bango, climat moukouema la montée entre Bango. C'est pour vous dire que même il a qu'on pressentir que les dons changent sur le terrain. Okay. Parce qu'avec la diplomatie chef de l'État, Lelo, a zone à la tête. Okay. Sur le plan diplomatique, au moins Lelo, confusion. Parce que moi, Naibi Kagame, Naibi Nagata silence. Kagame ne parlait pas beaucoup. Mais a sali trois sorties médiatiques, mais pas ça deux semaines. Cela sous-entend que quelque part, Kagame est touché.
Voilà pourquoi la Bissaki Tshisekedi, c'est un fin politicien. Il avait compris que pour mettre fin à la barbarie, oh, il y a Mambo Est et Oyo, il fallait avoir deux options. Option diplomatique, la option à guerre. Sur le terrain, il aura toujours au moins qu'il avait renforcé ma position à faire des Sénabisso. Il avait mis les moyens, la logistique conséquente pour nous faire des pour mettre hors d'état de nuire les envahisseurs de notre pays. De l'autre côté aussi, il a montré la face du monde à travers Bassi Zouana à Luanda que réellement c'est Kagame qui soutient les M23. Réellement c'est Kagame qui a agressé notre pays. Voilà pourquoi on a Obaki, tu sais qu'il est vraiment c'est un fait politicien. Nous avons la chance que soit maintenant cette fois-ci un politicien qui a une vision pour le pays. Mais moi, dans mon cas, il y a le Paul Kagame, il y a un M23. Il y a une déclaration où le président M23, le Baki, Abi Makambu, il y a RDC M23, tel Paul Kagame, il y a un peu de Congolais. Il y a un peu de Congolais. Il y a un peu de Congolais. Il y a un peu de M23. D'abord, j'aimerais vous dire, tu te souviendras de sa émission, le lendemain à Bassise, à Luanda, mais il sera clair, connaissant la manière. Le mode opératoire à Kagame, M23 pour rejeter Bassi Zouana à Luanda. Je crois que je t'avais dit, ce que vous fuyez dans l'une de vos émissions, je t'avais dit ça. Un jour après Bassi Zouana, c'est que M23 pour rejeter à Kolobake, il y a un mandat qui Kagame était. C'est leur jeu, papa. Mais du moins, moi, je salue qui peut être Eloko Wana parce que Tshisekedi a voulu tout simplement montrer à la face du monde que c'est Kagame qui a agressé la RDC. Parce que si le M23 dit que non, tu rejetes Bilo Kwana ya Luanda. Si Kagame a dit qu'on vendra la qualité ni. C'est ça le problème. Parce qu'il n'est ni porte-parole du M23, il est ni ravitaire, selon lui. Mais pourquoi il était venu signer la feuille de route en qualité de qui? Moi je pense que la politique, il y en a la réalité dans un mot. La politique, les gens pour avertir, on va comprendre la politique. Pour nous, toi, avertir la politique, tu as dit que c'est là qu'il y a une réussite pour Félix Tshisekedi. Il a montré à la face du monde. Il y a un moment même, bateau, bah, soutenir la Kagame. Il y a une contradiction entre eux. Certains ont jugé bon d'abandonner Kagame. Parce qu'ils ont compris que Tshisekedi a monici noir sur blanc. Que Kagame, derrière Kagame, il y avait de grandes puissances qui soutenaient Kagame dans la salle besoin pendant plus de deux décennies dans le cannabis. C'est ça un politique. Or, sur le terrain maintenant, l'armée rwandaise et ses complices de M23 sont malmenés par nos FARDC. Moi, je vous donne des informations. Nos FARDC sont déterminés. Bah, la morale moko au zénith, je vous informe. Bah, il dit, bah, toujours Zilakaka, mot d'ordre à Kinshasa, pour traverser la frontière vers le Rwanda. Et là, on est dans la scolaire, comme je vous avais dit ici, dans un conflit, bah, privilégiera toujours voie diplomatique d'abord. La conflit, non, lorsque la voie diplomatique et que ça gagne des causes, était en ce moment-là. Pour lever maintenant option militaire, pour activer maintenant option militaire. Je vous dis les deux options, pas Félix, aucune des options est exclue et pas chef de l'État. Donc il est prêt à tout. Il y a un moment où Kagame, la sortie médiatique n'a eu récemment au Tchoubani. Parce que autrefois, Kagame a dit ça qui dit ce goût. Alors, le pays n'a pas eu de je ne saurais pas faire la guerre chez moi. Mais ma guerre place où la guerre est outil. Il était trop arrogant. Mais l'année, c'est derrière la France 24. Alors, dit non, pour moi, nous avons privilégié option à dialogue. Parce qu'il a compris que Tshisekedi n'a pas baissé les bras. Parce que ça, le langage, oh, Kagame, parce que c'est un rebelle. Tshisekedi, même qui est na terrain, oh, il y a ma langue. Option à guerre. Maintenant, lorsqu'il a compris que sur terrain, les phares d'essai, ils sont puissants par rapport à l'armée, le langage est changé. Et puis tala bango bien, il parle toujours le même langage. Mais tala les lobes autorités rwandaises. Contradiction entre bango. Pas sortie médiatique ratée aujourd'hui. Cela prouve que Kagame, l'armée rwandaise est en débandade sur terrain. Il y a un moni ministre d'affaires étrangères, alors Maramoussoussou, chef d'état-major de Maramoussoussou, Kagame Maramoussoussou. Pour nous les adversaires, pour se comprendre que non, ils allaient faire un règne à Kagame. Tu comprends? Tout ça, c'est grâce à la politique de Félix Tshisekedi par rapport à Makamouya Estewana.
Mais moi, dans le cas, nous avons parlé de Paul Kagame. Nous avons la vérité comme ici, comme Bima. Paul Kagame, nous avons dit que 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 nous avons dit grâce à la diplomatie chef de l'État. On comprend? Comme nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous entre bango. Pour nous, tout ça est une diversion pour nous. On comprend? Même les bisous ici, même les chefs, après ça peut confesser dans Ouganda. Pour toi, même le président Museveni Kaguta, c'est un rebelle. Bah, on a fruit à rébellion. On comprend? Ce ne sont pas des démocrates. Alors, mode opératoire, nous sont le même. C'est grâce à Museveni Kagame comme président de la Kata Rwanda. Tu es bien au malam. Mais tout ça, et là, qui s'accueille au niveau diplomatique, qui serait dans Betty Bango Kao. Bah comme concentré entre bango on a fondi muninga pour nous et l'axi maintenant la face du monde bah vrai agresseur yambo kanabiso yaki ces deux pays là oh les régimes passés bah c'est qui a courage à citer bango non mais maté aujourd'hui lui à la face du monde que c'est le Rwanda c'est l'Ouganda oh bah c'est naka barbarie et ça la bande est la partie est yambo kanabiso. Donc c'est un peu ça. Ok, mais dans le cas, selon l'information que j'ai eu, quand Martin Fayoul a dit que mon Zamboka guerre à 1-23, la mission de mon Zamboka est une guerre à Wana. A billé ceux qui ont payé ce temps à comme président, alors si ça guerre là dans deux jours, n'a évité. Mais quand on est là-bas dans le Boka. Bon, moi personnellement, dans le Bango, depuis que l'IDPS est au pouvoir, il n'y a plus de politiciens au Congo. Il n'y a que des opportunistes. On comprend. Comme ces messieurs-là, vous venez de citer Martin Fayoul, il n'est pas politicien. Autre Finlandais, au cours d'un point de presse à l'Obi, guerre à Est et O, ils allaient à cause du leadership faible à Félix Tshisekedi au sommet de l'État. Mais j'étais vraiment désolé. Un homme politique qui prétend diriger notre pays demain, a eu un historique qui a pays n'a été. A je maîtrisais même pas. On comprend. Tu sais qu'il y a côté de pouvoir en 2019 après les élections. Mais il y a eu le régime passé et signé un accord dans Rwanda. Il y a eu AFDL et signé un accord dans Rwanda. Tu sais qu'il y a eu le président Mboka. C'est ça le problème. Il y a un moment au Congo, il faut voter les gens qui ont une vision pour le pays. Non des opportunistes comme des Fayoul ou des Katumbi. On comprend. Qui veulent profiter en naïveté à peuple congolais. Mais inconscience à peuple congolais. Par contre, pour j'appelle espoir, un jour, on va diriger Mokao. Tout ça, il y a une inconscience, il y a un peuple congolais. Est-ce que sur d'autres cieux, Fayoul peut être président, il y a Moka, Fayoul. Avec quelle vision pour les Congo? Pourquoi pas? Avec quelle vision? Au Rome, c'est la vision à Fayoul pour les Congo. Au Rome, c'est la vision à Katumbi pour les Congo. Ce sont des opportunistes. Bah, les Niba profitent, ces peuples congolais sont tellement naïfs. Inconscient. Parce que vision la Binezani, au Bilbo en a pouvoir. L'idée pèse d'abord à combattre qui d'abord pour na Bilbo Romi Bali. Mais il faut pas y barrer. Tout le monde qui lit d'abord pour combattre au Luba qui est le multipartisme en son temps. Un peu les amis parti état. Tant que tu obtiens gain de cause, tu as une deuxième phase de combat à Bissou. Instauration de la démocratie dans l'état de droit en Boka. Il y a un Félix et Ossa. Voilà la vision d'un parti politique. État de deux ans en Boka. Bien sûr. Bien que dans le pays, il va fruit dans 100%. Mais toujours, on a quelque part, il y a changement dans ces pays. Il y a changement dans ces pays. En déplaise. Changement, même dans le niveau, même il y a un niveau média. Les liberté d'expression, ça garantit dans le monde. Il y a des gens qui outragent les chefs de l'État matin, midi, soir. État des droits. Proférant des insultes à l'endroit des chefs de l'État. J'arrive. Okay. Mais ces gens ne sont pas inquiétés. Il y a des signes, il y a démocratie dans le pays. Toi, tu peux insulter Kabila et pour l'aller dans le tu peux insulter Mobutu pour l'aller dans le. Mais nous voyons des députés nationaux insultant les chefs de l'État dans ces pays. Abenga chef, un inconscient, un député national. Mais au moment sort, il y a Franck Diongo dans ces pays. Un député national. On m'a dit comment il a été traité. On m'a dit sort, il y a Jéroko Moulumba. Dans ces pays, des députés. Et maintenant, le paisible citoyen. Mais dans ces pays,
on incite les chefs d'État matin, midi, soir, personne n'est inquiété. Toi, tu penses que Fayoulou va proposer Athéna à l'endroit chef de l'État, à côté de devant Kabila, appelant Félix un patin, un placebo. Tu penses que devant Kabila, Fayoulou Athéna va proposer hein? Accepter la démocratie au Congo et porter ma fruit à travers l'IDPS. État des droits, ce qui est téléphone, vous pangez, vous baissez 10 ans, 20 ans. Mais où il y a un million, vous pangez, car vous avez des jours à 1000, dans l'état des droits, on est en moi. Je pense, dans l'autre Israël, dans le Congo, il faut tout mettre en accord. Il faut que le Congo soit en séparation de pouvoir. Ok? Tu as la séparation de pouvoir dans le Congo. Quand justice n'est pas que justice n'est pas une bonne comme malade, non. Jusqu'il y a, toujours des moutons noirs dans la justice. Il y a des magistrats verrés, ils sont toujours là. On comprend. Oh, même pratique n'a pas un régime passé. Il y a des alliés, cheval de bataille, chef de l'État. Très bien, malheureusement, c'est le peuple congolais 2023. La Zoya, papa. La Zoya, laissez-moi le temps de finir mon analyse. On comprend. Tu as dit que justice n'a pas sur l'élo et atteindre même à 100%. Mais quand même, tu félicites quand même pas au justice, quand même, et sali. Bien que dans le Bahawa, il y a des magistrats virés jusque-là qui continuent toujours dans la même pratique qu'il y a ancien régime. Il y a un moment qui l'or, peut-être, il y a rentrée judiciaire Awa, le président à cour constitutionnelle, il avait martelé sur ça. Il avait martelé sur ça. Parce que Yemo Waza conscient que l'appareil judiciaire est un problème et bélé. On comprend. Voilà donner la mission. Eux va voter comme président. Il y a conseil supérieur, il y a magistrature. Pour essayer de faire sa administration judiciaire Nabiso. Qui dit reste Tissikoyo et encore fouti. On comprend. Tout ça, les amis. Sous l'impulsion chef de l'État. Alignamo na une justice distributive. Une justice neutre. Pas une justice à deux vitesses. Justice va plus fort. Et le Togo qui n'a pas de combattant qui yangoana. Que Oibi. Tout le monde faut quand même accepter. Bien qu'il y ait encore des imperfections à certains niveaux. Mais on a vu dans ces pays des ministres être emprisonnés. Mais sous régime a fait tu sais que. Il y a des ministres qui sont en prison. Au sommet, on a un ministre en prison, il n'est pas à Kabila. Il n'est pas à Mobutu. Directeur à cabinet. Directeur à cabinet, Azalaki, Kangaki, Bakatelaki, 20 ans de prison. Basali, j'arrive à interjecter à peine. Il faut tout mettre la peine à la justice, comment la justice fonctionne. L'état des droits n'est pas dit forcément. Il faut toujours condamner la personne, même s'il est innocent. Non. Vous avez une mauvaise lecture à l'état des droits. L'État doit venir, il faut dire les droits comme il se doit. C'est lui qui a raison, ou Pessier raison, c'est lui qui a tort, il sera condamné. Ta mère, pour moi, Bisson Sosora qui est un peu, tu es bien que, ma colonel Kabila, c'est la première instance, ta mère, à celle qui détourne ma yambon, la maison préfabriquée. Bisson, je te dis bien qu'il y a un mot. Mais il a interjecté l'appel. Dans le niveau après, il y a deuxième instance, par le Bakateli est 13 ans. Avec qu'on a interjecté l'appel, dans le niveau à cour de cassation, dans la veille, c'est la justice. On s'incline. C'est ça le problème dans le Congo. Dans le Congo, toujours un état de droit, comme si on a interpellé Moutou, forcément, il ne faut pas condamner. Non. Non. Ce qui nous a présenté dans le moyen de défense naïe et convaincre le juge, c'est à juge de dire les droits. Nous devons aussi accepter cela. Ce n'est pas seulement à l'état des droits, il faut forcément condamner Moutou, même s'il a raison. Moi, je ne suis pas là comme avocat de Vital Kamir. Nous sommes contre toute personne Oyo Azolinga salir la vision chef de l'État. Mais ceux qui justice n'a dit soit estimé que Kamir est innocent, moi je m'incline. Nous devons accepter ça l'état des droits aussi. Accepter la justice, c'est aussi un état de droit. Vous comprenez? Innocent par rapport à... Alors, je venais, mais je vous dis, parce que. Mais surtout, écoutez. Tout a dit que Vital Kamir a détourné en bon, il y a 100 jours. Au moins, Congolais. Au moins, Congolais, c'est ça l'ignorance. Au Isagana, et pas M. Congolais.
même si dans un domaine tu ne maîtrises rien, mais il faut le bakaka. La justice, toi la bloumi ba la justice. Juge, les juges a statué sur base ya ba bloumi ba le. Sur base ba preuve oyo. Oui nango. Et puis sur base, c'est lui qui a raison dans la justice, c'est celui qui détient des preuves et c'est celui qui sait convaincre. Voilà des éléments où il permet à la juge à statuer sur un problème. Alors, il y a fondi moutou. Pour toi, tu penses que le quoi a fondi forcément pour condamner Gaï. Non, juge on sent un sentiment à haute. Il va appliquer les droits. Il va dire les droits. On comprend. Par exemple, nana il y a un téléphone na yo. OK fou na justice. Excuse. Ne pensez pas que les juges a ko bisa ngai, j'ai aussi le téléphone na yo. Mais juge a posé aux questions. Qu'est-ce qui prouve que téléphone na les a yo? C'est à vous de montrer que téléphone na les a réellement yo. Quand on peut ça va signer na carte téléphone, va vérifier, c'est sur base ça va prévoir na que juge a statué que a condamné ngai sur le fait. Mais ce n'est pas d'emblée comme ça. Aïe, le téléphone, n'aïe, aïe, bakaïna, 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 la salle de prison. Parce qu'il y a l'oubli qui a eu le téléphone, n'aïe. Nous devons comprendre comment fonctionne la justice. Mais tout le monde qui m'a fait un peu le bac, aïe, qui pour affronter la justice. Aïe, paye à salle, y'a un mais tout le monde est sous. Patiné sur convocation, tu évites. Ma tête à pona, quoi, est-ce que c'est présenté ton dégénine, mon ami? Ma caméra d'un peu, même moi, je suis vraiment très content parce que justice, Nabiso, il s'est ressaisi quand même. Bon, je ne pouvais comprendre dans un pays normal si un chef de l'État a un juge naturel naïe, alors un ancien premier ministre ne peut jamais être jugé dans notre pays. Donc aucune juridiction et quelque chose ça va être un peu. Et vous avez qui noir sur blanc, il y a une corruption. Voilà maintenant la Cour de cassation s'est ressaisie maintenant pour interpeller l'ancien premier ministre. Parce que c'est la Cour de cassation, ali, juge naturel, la ali, Cour de cassation. Mais notre dossier Fouami, c'est à ma tête de nous prouver maintenant, par rapport aux preuves à Rosanayango, a démontré que 285 millions y a contribuables congolais et Kendaki Wapi. Parce que évaluer que Moussa Lonzo, il y a eu 85 millions qui a été utilisé sur le 300 millions. Mais tout le monde sur le bateau n'est qui a répondu qui en haut. Non, non. Mais vas-y, on va tirer la Cour constitutionnelle et s'est déclarée qui incompétente pour la résolution de la tempête. Chose grave. Oyo, na yeba qui est considéré comme avocat célèbre de Denis Kalouba Sala. Chose grave. Donc pour lui, Matata n'est pas poursuivable dans notre pays. Mais c'est grave. Hélas, aujourd'hui, notre justice s'est ressaisie. A fumé encore dossier contre Matata. Maintenant, Matata nous amène des preuves. Parce que autre Faloba qui, quand Zaki na Guinée, je rentre dans mon pays pour affronter la justice. Okay. Maintenant, il va maintenant affronter cette justice. La Cour de cassation, Toyeba réellement a éclairé la population congolaise. Toyeba, mon abisso, 285 millions et Kendaki Wapi. C'est ça le problème. Est-ce que Matata pour nous que se présenter? Bien sûr, ça, c'est déjà au cours d'une première audience, Ayaki, mais ça veut dire que ils ont coacquisé dans les mots un sujet sud-africain. Il n'est pas arrêté l'anglais, interprète Ayaki. Il y a un journal qui a une audience, je crois que c'est pour le jeudi demain. Et aujourd'hui, si je ne me trompe, il faut pas entendre procès ba continuer la dossier na procès on a les lots. Donc moi je pense que oui c'est ngama kambu ya fayulu awa na pitoi sayu awa ba fayulu ba politicien te ba opportuniste ou ba na politique ya mboka parce que ba moni ki non les congolais sont des naïfs, sont des inconscients quand on la vota ka mutu non sur base ya vision mais sur base ya mbongo ou bah opé ça y est sur base il y a manipulation bah faut qu'on la vote à moto autant de tous ces candidats opposants on a la Félix moto moi la vision pour les Congolais athé il n'y a personne sauf déjà un Fayulu qui ne parvient pas il y a qu'on retracer l'histoire il y a un mot cannabiso il y a qu'on le bâcher non
guerre à Est des alliés à cause du leadership faible à Félix, tu comprendras qu'il n'est pas digne d'être président dans ce pays. Il ne mérite même pas. Parce qu'il y a même histoire, il y a Moka où il a dirigé l'obité. C'est ça le mal de la Congo. Déclaration Maman Olive. Maman Olive, avec tout le respect que nous avons devoir, Maman Olive n'a pas de leçons à nous donner. Son mari a dirigé ce pays pendant 18 ans. Je pense qu'elle était la mieux placée. Il y a qu'au conseiller Mobal Naye pour trouver solution. Il y a parti Est et Mboka Nabiso. Ce n'est pas à elle aujourd'hui de prendre cette audace. Il y a qu'au Bissabiso qui non, parce que beaucoup font à Est. Ils ont dirigé ce pays pendant 18 ans, lui, son mari. Quelle solution va protéger les membres Est et Wan? Quelle solution? Et puis quand elle dit que son mari est encore jeune, pour la salle Nini, pendant 18 ans, ça l'a quitté. Son mari était jeune. Il a dit ça, c'est là qu'il n'est plus la jeunesse congolaise. À part comme ça, on va couler. Que cette dame s'occupe un peu de son foyer et son mari. Bonjour, les Congolais, députés. Après avoir pour appauvrir le peuple congolais, maintenant, pour manipuler encore Bango. Ce n'est pas normal. Et on est les calés soutenus à Congo. Tous les Congolais vont fléchir devant Bango. S'il y a des Congolais qui ont fléchi à cause de la billet vert, pas nous autres. Nous serons là toujours pour la couvrir, conseiller ce peuple congolais. Congolais a dit, putain, on a dit, Bango, va appauvrir Bango. Maintenant, tu prends le courage, Yakoya. Yakolo Bake, non, mon bal n'a pas trop jeune. Trop jeune pour faire quoi avec cette jeunesse? A vu chance pendant 18 ans, Yakobo Samboka, lui qui était encore jeune, ma client Nanzoto, a salé le côté. Et tu viens avec des discours tels que mon mari est encore jeune. Donc, il nous prend comme des bêtes ou comment dans ces pays. Comme si 2023, bon, zoom, hein. Je pense le professeur Mbata, le célèbre professeur Toanaï Awa, le droit constitutionnel, il a été clair. Pour que Kabila Zonga soit président, il faut Akoufa à remettre encore davantage l'identité Moussous. Peut-être Bazoko Saba ignorant inconscient. Kabila ne reviendra plus jamais comme président dans ce pays. Il s'en va d'autres baba. On a un charlatan, un tambourinaire, un maquillé, le one a PPRD. Je pense que ce sont des gens où ils sont inconscients. Kabila lui-même, là où il est, il sait que je ne serai plus président dans ce pays ici. Aïe, bien, on a l'âme. Même dans l'intention, il n'y a quand même pas. Boutique à la paix, Congo, les gars qui sont dans le monde, on va supporter Congo, boutique à la paix. Ok. Botika Baïba a une vision pour les Congo. Si réellement son mari avait une vision pour ses pays, Congo est dans un état haut. A eu pouvoir à l'âge de 29 ans. Il était encore trop jeune. Aucune vision pour les Congo. Tu as qui 18 ans, tu es dans un état haut. Allez, moi sinon l'amour qui est un bon matin, bon, mon mari est encore trop jeune. Mais il est encore trop jeune pour s'occuper de son foyer. Ok? Qu'elle cesse de rêver qu'un jour son mari reviendra encore comme chef d'État dans ce pays. Et ça va rêve. Nous avons maintenant un président valable, digne de son nom pour ce pays. À la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qui a une vision claire pour notre pays. À l'espace de 3 ans et demi, très bas pour sa salut dans ce pays, dans tous les secteurs du pays. Un président qui a une vision. C'est ça le problème. Nous avons manqué pendant 50 ans un tel président. Tozui Mobutu, la même chose. Tozui Kabila, Kabila père, Bango tout n'engue mon kobayena, bayena na tête en boca par opportunisme, par la volonté à Bakimo, par imposer des choses Bango na Congo. Mais cette fois-ci, au moins, aujourd'hui, président, a aussi la volonté, il y a peuple congolais, à travers les élections. Et puis, il y a une vision pour ce pays. Il y a un monde, changement, il y a un monde, il y a une vision d'un homme. Malheureusement, les inconscients, comme je vous ai dit ici, ils ont compris le karaté. Parce que l'homme, il y a une inconscience collective.
à l'endroit des dirigeants qui nous sont peuple et à l'endroit des dirigeants. Bon, bah, dirigeants qui m'ont dit, oh, vous voyez, ils sont tous les gens inconscients. Ils sont tous les gens qui sont dans la tête. Vous pensez qu'ils sont comme Congo. Ça, c'est le bande à éviter. Et biso peuple congolais naïf, inconscient, tu mets le ma bouc. Ok, moi, la bouc, qu'est-ce que tu as tout le monde pour le moral téléphone à eux. Peuple congolais, alors, si la bouc, c'est mon bilan en 2023. Mais mon cher ami, bilan, il est. Bilan, tu sais, peuple congolais. Bilan, tu sais, il est largement positif. Je dis bien largement positif. En déplaise aux détracteurs de Félix Tshisekedi. Biloko a sali na 4 ans, na 32 ans, mouta sala yangote, na 18 ans kabila sala yangote. Batsi koko sabino. Parce que leur arme sali manipulation, la désinformation. Mais le moment viendra, biso toko telema, toko lakisa peuple, ba réalisation Tshisekedi à travers le pays. Na mboka oyo na 4 ans, izi na raffinerie or. Ok, on a beaucoup voilà. D'accord, on a zoé papa, vous tenez la bilance. Ok, on a le bango la face aux caméras. On tourne la bilance. Comme là, on peut oser, on peut savoir. Oui. On tourne la nappe sur mon dame. Pas mon maison. Na 4 ans. Tous les easy. Y a cobalt. Na 4 ans. Ben à bout de temps vous faites na 4 ans. Na 4 ans, on peut avoir calamité. Couverture santé maladie. Cobalt au filet. Mais non, il va gêner mes relations. Dans 4 ans, fonctionnaire, on a 96 000 comme 400 000 francs congolais. Non, téléphone. Dans 4 ans, soldat, à longueur, on a 66 000 francs. On a 280 000 francs. Et ça, on a 4 ans. C'est ça le problème. Parce que Tshisekedi a un bilan largement positif. Je vous dis, au moins, on a monté dans la zone, l'équateur, 50 ans, il est courant. Courir contre la zone, on a monté dans la ampoule. Vous imaginez, robot roulage dans Mandaka. Ouais, ça l'a rappelé 10 jours. Transport dans Mandaka. Transport dans Mandaka. Mais moi, j'ai beaucoup de questions. On a tout dans la guerre où ils ont entré à M23. Là, on va faire des signes. Bah, Katumbi. Bah, Fayoum. Bah, Kabila. Quand on a la guerre, on a le bannu. Na ba sango na biso. O moni lelo créateur la bango ezanini. Ya ona linga na l'actuel au moko. O moni lelo deja bazawana bazoli a misa di place bazali. Na ndeweni. Parce que bango ba yebi ke prétexte na bango ezali guerre à est. Ya ngo moni bango nyonso avec be fort touché fazo ça là pa o reconnaître ngote. So balinga ki mboka o réellement ba to tangi wana. Balinga ba derrière les chefs de l'État. N'est-ce pas? Pour mettre fin à cette guerre. Mais bango nyonso, ti lelo, même quand encourager les FARDC, c'est bon ça la moti. Mais Mais il y a un bango baby et le roni bazo boule la guerre wana si la paix si bango babi on a bango ortika une bonne question et on a ôté ça awa bato ba dirija ki biso ba signa ba corps na M23 oh oui ba signa ba corps na M23 yango mon M23 zo bunda que tu sais que di a reconnaître cahier des charges na bango ba signa na gouverner na régime oyo et le cas o bo cha makiele lelo. Parce qu'il faut pas intégrer dans la carte armée. Il faut pas occuper la fonction à l'État. C'est ce qu'il n'y avait pas question. C'est ça leur problème. Tu sais qu'il n'est pas Kabila. Pour accepter bêtise ouana, il y a réintégration dans la Rwanda dans la carte armée congolaise. Jamais on l'a noté. Les lois ont causé ce problème. Infiltration dans la carte armée. Nicolas, cahier des charges, on a M23. Et Bandaki d'abord, on a RCD. Bouji bankunda batoire boli sur la carte armée congolaise ba makenga boena CMDP deuxième formule ba côté li sous au mona troisième infiltration yeli sous na area elingé na M23 toi ba dit putain
Ok, bon, on a beaucoup à l'ouvrir. Merci que ZMP me rate à l'offre. Bon, numéro dans la soirée, c'est le peuple congolais. Nous serons toujours là pour éveiller conscience Nabino. Bako Sabinoté, par ses politiciens à mal de positionnement. Soutenons notre frère Tshisekedi, de père et de mère. Il est le vrai Congolais. Et par la souci à Mboka Oyo. Par rapport à Batouboli Nabo Landara Bako Sabino. Aucun d'entre eux a une vision pour le Congo. Fayoulou Katumbi, personne n'a une vision claire pour le Congo. Bah, opportuniste. Ils ont compris, ils ont profité de la faiblesse de le peuple congolais. Parce qu'on vous considère comme des naïfs, des inconscients, bah, vous manipulez bino. Les lots, oh, nous avons toujours des appels, nous avons tout partout, nous avons tout bah, il y a un bisou, pour voter à Tshisekedi. Mais on a compris que c'est lui qui a le souci à Mboka, il y a un bisou parti est. Ah. Même à Tshisekedi, il vit un danger comme en bas est, il va éviter. Les lots, oh, Tshisekedi a tel aimé lui-même la communauté internationale. Bah, on s'est engagé, il faut dire que nous avons M23 à Boi. Il faut faire un débat, nous avons marqué, voilà, papa. Bon téléphone. Faut le ressalanter pour la Congo. Moi encore Kada, Katumbi, ces opportunistes. Voilà pourquoi je demande à nos députés d'activer loi Tchani. On en a marre avec ces étrangers dans notre pays. On doit mettre fin à cela, à ces aventures-là qui ont duré pendant plus de 3 décennies. On doit verrouiller la fonction chef de l'État dans ces pays. Trop, c'est trop. Congolais, photo la mouka. Surtout la jeunesse que nous sommes. C'est nous qui devons sauver ces pays. Ce ne sont pas ces politiciens. Oh bah, Oko Sabino matin, midi, soir. Aujourd'hui, ils sont là. La partie est. Et ça frappé dans la barbarie. Ou en M23 dans la Rwanda. Silence radio. Parce que leur mentor, c'est Kagame. Ok, Malambo. Ok. Peuple congolais, Boyoka Bissou. Soutenons un Congolais de père et de mère. Bon, on a ma distraction. Il y a musique, il y a capé, la colliane taba. Et ça, la distraction. Pendant que le pays est agressé par le Rwanda, bonjour à capé, là, on la masanga, on vous distrait. Bon, la mouka, ton collègue, ben, abisonini. Parce que le premier héritage, nous avons appelé ça la Moutouéli, son sol, c'est sa patrie. Voilà pourquoi Israël, c'est là, Bounabra, la Bélé, Israël. Parce qu'ils ont compris cela. Soutenir au hasard un souci à Mboka Oyo Tshisekedi. Bon, on a aventurier on a été, bah on cause à venir matin midi soir, bah l'ingé Congo te, bah l'ingé des minéraux à Congo, bah l'ingé comme le président Mboka va piller minéraux à Congo, c'est ça la vérité. Bobby, mais la partie politique bidon on a. Votre numéro. Mon numéro c'est le +243 81 52 09 123. +243 81 52 09 123. Ok, merci beaucoup, Tokutani. Robot roulage dans Mandaka. Oh, ça l'a rappelé des jours. Ah. Transcours dans Mandaka. Transcours dans Mandaka. Mais moi, j'ai beaucoup de questions. On a tout dans la guerre où ils ont entré entre la 1-23. On a fait faire des sinabissos. Bah, Katumbi. Bah, Fayoum. Ba Kabila, toi ba mona guerre wana, ba lo ba ni. Na ba sa mona biso. O moni lelo, l'explication la bango ezani. Ya on a ngana la xelo o moko. O moni lelo, deza baza wana ba zoli a misa di place bazali. Na ndewini. Parce que bango ba yebi ke prétexte na bango ezali guerre est. Ya ngo moni bango nyonso avec be fort touché fazo sa la, ba o reconnaître en mode. So balinga ki mboka o réellement bato tangi wana balinga ba derrière les chefs de l'État, n'est-ce pas, pour mettre fin à cette guerre. Mais bango nyonso ti lelo même quoi encourager les FARDC ba sala ngoti ba bi ke soto ko sa bal ba ki makamba luka ki ya mwana ako na auto du sao awa a moins que muto a moins que muto ay Congo lelo. Parce que la déclaration est qu'il fallait peut-être aller Congo Lélo. Mais il y a un mot qui est un 23 dans le bas qui est un mot qui est un mot qui est la guerre. Si la paix est un mot qui est un mot, une bonne question. On a dit ça au Awa, bateau dirigeant qui est un signe à la corne M23. Oh oui.
Bassinia d'accord, on a mis 23. Et on a mis 23 au Bunda, que tu sais qu'il a reconnaître cahier des charges na Bango Bassinia, na gouverneur, na régime Oyo, et les cas, oh, bon, tu as maquillé les lélo. Parce qu'il ne faut pas intégrer dans la carte armée. Il ne faut pas occuper la fonction à l'État. Parce qu'il n'y a pas question. C'est ça leur problème. Tu sais qu'il n'est pas Kabila. Pourquoi on a accepté bêtise ouana? Il y a réintégration de Rwanda dans la carte armée congolaise. Jamais on l'a noté. Les lieux ont causé ce problème. Infiltration de la carte armée. Nicolas, cahier des charges, on a M23. Et Bandaki d'abord, on a RCD. Bouji Bankunda Batoire, Bolibus na carte armée congolaise, Bama Kenga. Bouena CMDP, deuxième formule, Bakoti Lissous. On a la troisième infiltration, Yelissousou, na RIA, et l'ingé na M23. Toi, bah dit, putain. Ok, mon ambo, Kaliba, on a su que ZMP n'aura téléphone. Bon, numéro, on a su que c'est un peuple congolais. Nous serons toujours là pour éveiller conscience Nabino. Bako Sabinoté, par ses politiciens à mal de positionnement. Soutenons notre frère Tshisekedi, de père et de mère. Il est le vrai Congolais. Et par la souci à Mboka Oyo. Par rapport à Batuboli Nabo Landara Bako Sabino. Aucun d'entre eux a une vision pour le Congo. Fayoulou Katumbi, personne n'a une vision claire pour le Congo. Bah opportuniste. Ils ont compris. Bah, ils ont profité de la faiblesse de le peuple congolais. Parce qu'on vous considère comme des naïfs, des inconscients, bah vous manipulez Bino. Lelo oh nous avons toujours des peines, nous avons tout partout, nous avons est. Bah il s'abîme pour voter à Tshisekedi. Mais on a compris que c'est lui qui a les soucis en Boka. Il y a eu ce parti est. Même à terme, il y a un danger comme en est. On va éviter. Lelo oh Tshisekedi a télémé même la communauté internationale. Bah on s'est engagé, il faut dire que nous avons mis 23 à Boi. Il faut faire un débat, nous avons marqué, voilà papa. Bon téléphone. Il faut le gros salaire pour la Congo. Moi encore Katumbi, ces opportunistes. Voilà pourquoi je demande à nos députés d'activer loi Tchani. On en a marre avec ces étrangers dans notre pays. On doit mettre fin à cela, à ces aventures-là qui ont duré pendant plus de 3 décennies. On doit verrouiller la fonction chef de l'État dans ces pays. Trop, c'est trop. Congolais, photo de l'amour, surtout la jeunesse que nous sommes. C'est nous qui devons sauver ces pays. Ce ne sont pas ces politiciens. Obaoko Sabino matin, midi, soir. Aujourd'hui, ils sont là. La partie est. Et ça frappé dans la barbarie. On est à M23. Dans la Rwanda. Moutouba a le bazate. Silence radio. Parce que leur mentor, c'est Kagame. Ok, mon amour. Ok. Peuple congolais, Boyoka Bissou. Soutenons un Congolais de père et de mère. Bon, on a pas distraction. Il y a musique, il y a capelle, il y a colien taba. Et ça, la distraction. Pendant que le pays est agressé par le Rwanda, vous avez capelle, vous avez massanga, on vous distrait. Bon, la mouka, ton collègue est en abyssonie. Parce que le premier héritage, nous avons appelé ça la montée, son sol, c'est sa patrie. Voilà pourquoi Israël tire la bouna pour la belle dans Israël. Parce qu'ils ont compris cela. Soutenir au hasard un souci à Mboka Oyo Tshisekedi. Bon, on a aventurier on a été, bah au Kosabino matin midi soir, bah l'ingé Congo te, bah l'ingé des minerais à Congo, bah l'ingé comme le président Mboka va piller minerais à Congo, c'est ça la vérité. Bobby mais la partie politique bidon on a. Votre numéro. Mon numéro c'est le plus 243 81 52 09 123. Plus 281 et plus 243 81 52 99 123. Ok, merci. Nous t'écoutons.